On est début décembre, vous êtes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence et comme vous le voyez, il y a un beau ciel bleu. On va la faire en deux parties, d'abord après la chute et sous un ciel gris. Et puis ensuite, vous allez voir que ça donne sous le soleil, c'est quand même un peu différent. Hein, bon allez, on commence après la chute, c'était joli aussi, très ouaté. C'est parti. Le soleil va sortir bientôt, ça va être magique.
un joli paysage, bien enneigé. On va faire un petit tour, allez. Ah, c'était coton ce matin pour rouler. Enfin, c'est pas là surtout le plus difficile. C'est à la grimpette. À la grimpette. Il a un peu enneigé cette nuit. Les orages annoncent encore, il paraît. Cette semaine. Ouais, là, il y a quoi? Il y a une bonne dizaine de centimètres. Dans ces eaux-là. Là, j'ai pas pu filmer avant. C'est encore plus beau ce matin. Mais bon. Un bel arbre de Noël. Vous voulez vous donner un petit coup de peps? Un peu de vitamine C? Allez. Ça, c'est les cynorhodons, c'est les fruits de l'églantier, c'est bourré de vitamine C. Là, vous mangez toute la pulpe qui est au bout, après il y a beaucoup de graines. Il n'y a pas beaucoup à manger. Mais ça vous donne la pêche. Et il y en a qui en font des confitures. Ils sont courageux parce que comme il n'y a pas grand chose, vous voyez, il y a juste un peu de pulpe là. Puis un peu avec la peau. Mais c'est vraiment pas évident à faire. Il faut ramasser beaucoup. Hein. Les graines. Ah, c'est dur comme de. Elles sont dures comme je sais pas quoi. Comme de l'acier. Allez, il y en a un qui poussera là-bas. Allez, encore un gros pour la route. Il faut qu'ils soient blettes pour les manger. C'est-à-dire que ça aille gelé. Bah, il n'y a pas de problème, moins 11. Ça, je l'ai. Pas les manger avant. Vous voyez, là il y en a encore un.
Elle, ça la rend folle, la neige. Complètement folle. Elle adore ça. Je vais pas descendre jusqu'en bas, après il faut remonter, mais ce matin c'était tout hier là, c'était beau. On va essayer de grimper dans la forêt.
Alors, qu'est-ce qui nous donne ce potager enneigé? Oui, il se porte bien, hein, je peux pas rêver. On va soulever un peu tout ça. Bon, là, je vous laisse, j'ai du boulot pour soulever les tapparelles. Je vous rassure, hein, tout est toujours là. Tout est toujours bien là. Mais la neige, ça pèse. Je vais mettre un coup de balai d'abord. Bon, ben voilà. On avait un peu de chaleur à tout ça. Là, ça va taper le soleil, c'est super. Ça va chauffer à l'intérieur. C'est parfait. C'est parfait. Je vais enlever les cloches maintenant. Bon, il y en a où j'ai laissé. Hein. Là, par exemple, c'est pas la peine parce qu'il n'y a rien. Et puis, c'est au chaud. Sous la couche de neige, c'est au chaud. J'ai laissé une petite couche toujours de neige pour protéger du froid. Vous voyez, j'ai pas tout décapé. Celui-ci, là, comme il est encore un peu plus vulnérable, j'en ai laissé aussi pas mal au-dessus. Bon, lui, il a les côtés qui sont un peu plus fragiles, mais. Là, il y a des choux maintenant. J'arrive même pas à ouvrir. Ça, c'est pas beau, tout le monde va bien à différents stades de croissance, mais tout le monde va bien, impeccable. Allez, on referme, on va se quitter sur le bassin congelé, quoique je ne mettrai pas ma main au feu vu les températures qu'il fait. C'est juste une petite couche et puis la vallée enneigée. Voilà. À la prochaine chute de neige. Attendant qu'il en tombe 40 ou 50 cm. On verra. On verra. Il y a un chat qui est tombé l'autre jour. Il se balade sur la glace. Il finit par tomber dedans. Hein. Moi, je vous dis pas, ça l'a réveillé. Hein. Quelle truffe. Enfin. Allez, à la prochaine.